Marc Sassier, vous faites un long déplacement Cagnes-sur-Mer, vous connaissez, vous avez gagné Kédic Gemma, c'est Harley cette fois-ci. Au premier poteau, la jument n'a pas été revue depuis sa faute il y a quasiment 3 semaines. Ouais, on avait attendu cette course-là, les conditions semblent bonnes pour elle, tout du moins. Piste plate, ça va, je pense, l'avantager. Corde à gauche, ça lui va bien. Voilà, les conditions sont bonnes au premier poteau, c'est pas mal. Donc la jument est restée bien. Je pense que l'autre jour, elle a fait la faute, elle a tapé dans la roue du cheval qui était devant elle quand au moment de sortir. Benjamin est sorti, il est rentré, il est ressorti et ça l'a mis au galop. Elle aurait pu participer à l'arrivée. Selon Benjamin, il y avait encore du gaz, donc voilà, elle semble en forme. Bon, c'est une belle opportunité en tête. Est-ce que par contre le voyage, c'est quelque chose qui peut la perturber ou pas? Je pense pas. Les voyages qu'on a fait là cet hiver, ça s'est bien passé à chaque fois. On part la veille. À partir de la veille, elle va dormir sur place. Du coup, elle va arriver, elle sera pas fatiguée, hein, parce que bon, je pense que ça me pose pas de problème. On doit jouer le podium. Il y a Yes Weekend capable d'aller de l'avant. Il y a peut-être Ingrid Turgot qui a une bonne chance, mais avant le coup. Ouais, bah on y va pour être dans les trois. Après, l'objectif il est là. On serait déçu de pas y être. Après, il faut courir. Hein. Ça reste des courses avec des bons chevaux qui ont déjà des gains. Donc, mais bon, alors, moi j'aime bien ma jument. Je vous dis, piste plate. Normalement, ça doit pouvoir lui convenir. Il lui faut un déroulement de course favorable, mais elle est en forme. Je lui vois une belle chance.